Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Defuga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui c'est un tout nouveau format en tout cas sur ma chaîne. Mais c'est un format de vidéo que vous connaissez, donc on tente, comme j'ai dit, il faut du nouveau sur ma chaîne, des nouvelles choses, tout ça. Ce qui fait que je sais que vous savez du coup que moi je suis très meuf à l'ancienne. Enfin, je suis pas une meuf de... Je suis pas ringarde, mais vous voyez tout ce qui est époque d'avant et tout, c'est grave mon délire. Genre, vous savez, ceux qui me suivent de base, vous savez que moi, tout ce qui est les choses d'avant, mon époque à moi, ou même ceux d'avant, je kiffe. Genre, je kiffe. Je m'y retrouve. C'est quelque chose que j'aime. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une série de react sur les anciennes émissions ou tout ce qui est ancien, mais des choses qu'on a pu connaître, genre quand on avait 6, 5, des choses qu'on a oubliées. Et du coup, je vais réagir à ça. Mais je pense que je vais plus me pencher vers les émissions parce que c'est plus les émissions que moi, je suivais. Vous voyez, genre, j'étais vraiment assise comme ça par terre. Je regardais la télé entre les jambes de ma soeur, tel un bébé. Et on regardait des émissions par milliers, tout. Mais attendez, j'ai fait du slam. Où je rêve. Assise comme ça par terre, je regardais la télé. Entre les jambes de ma soeur, tel un bébé. Et on regardait des émissions par milliers. Vous savez, hein, tout ce qui est émissions, tout ce qui est musique, tout ce qui est dessin animé, tout ça, c'est mon délire. Et aujourd'hui, je vais faire une série de ça. Du coup, pour commencer, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez connu les 12 cœurs. En fait, là, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a 3 ans, du coup, en 2021, j'ai voulu faire un remake des 12 cœurs. Mais du coup, version YouTube et version nouvelle génération. Sauf qu'il y a personne qui était... J'ai trouvé personne qui était OP avec cette idée pour le faire sur les réseaux. Pourtant, je kiffe l'idée. Mais bref, pour ceux qui ne connaissent pas les 12 cœurs. En gros, c'était une émission de Cupidon, de Love, comme il y en avait énormément avant. Genre, il n'y avait que ça avant. Et par rapport au signe astrologique, on voyait la compatibilité. C'était un délire où c'était des filles, je sais, des garçons, par élimination, tout ça. Ils partaient ensemble ou pas, un truc comme ça. Et dans cette émission-là, il y a beaucoup de gens connus aujourd'hui, comme Jerem Star, comme Manon Tanchi et tout. Du coup, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, il y aura une série de ça. Je sais pas de combien d'épisodes, parce qu'il y en a vraiment eu énormément, c'était par saison même. Donc, on va pas commencer par l'épisode 1, on va commencer par l'épisode des teenagers. Donc, des adolescents d'avant, et vous allez voir la différence entre les adolescents d'avant et ceux de maintenant. Du coup, commençons. Vous êtes nombreux, vous aussi vous êtes nombreux, ça c'est magnifique, merci à vous. Merci du fond des 12 cœurs. Oh là 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 là, oui, ça fait plaisir. Sortez vos cahiers. Au programme aujourd'hui, la Love Machine, suivi d'une interro sur le Love Chrono, pour ensuite terminer par une épreuve orale dans le thermocœur. Ouais, du coup les gars, entre temps, il y avait des jeux. Genre il y avait ouais, ma synthèse, Asle, il y avait des trucs de culture générale et tout, c'était trop bien. Et c'est pour ça que je voulais grave le faire sur ma chaîne. Mais je connais personne pour... C'est pourquoi je vous demanderai de vous lever pour accueillir Mrs. Astrala. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Claire. Et bienvenue pour une nouvelle aventure des 12 cœurs. Et j'espère accompagnée d'une influence favorable des 12 signes du zodiaque. Bonne chance à tous et à tout à l'heure. Merci Astrala. Du coup, elle, c'était l'astrologue. Et en gros, quand une fille choisissait un garçon, elle disait le signe astrologique des deux pour voir si c'était compatible. Le bélier et le sagittaire. La coiffure et tout. Et le cancer. Eminem. 3, 2, 1, le merci. On commence cette spéciale teenager par une question vérité. Ça va vous? Ça va bien? Ici, c'est comme ça. Culture générale. Où se situe Paris? Montpellier et Limoges. Vas-y. Paris, c'est au centre. Vas-y. Bon. C'est au centre. Alors. C'est au centre. Paris là. Est au centre. Oui, Paris. D'accord. Et alors, viens situer Montpellier. Allez! Ça va? Pourquoi t'es venu aujourd'hui? Hein? Pourquoi est-ce que tu es là? Pour les défis. Pour les défis? Et? Qui sait, peut-être l'amour. Et peut-être l'amour, ok. Allez, on y va pour les décomptes? Allez! 3, 2, 1, la machine!
action, tu vas être servie, ma jolie. Enfin, j'espère. Et t'as agité un clair là. Cœur sur le torse du candidat de ton choix avec cette peinture. Parmi cette belle brochette de jeunes garçons, tous plus beaux les uns que les autres, choisis-en un qui est à ton avis un beau torse. Qu'on m'amène la peinture. Et les gars, pour vous situer un petit peu, c'était en 2000, vers 2009. Et je regardais ça, pour toi c'était interdit au moins de 12 ans, je crois. Alors, la peinture blanche, orange, vanille, menthe, voilà. Tiens. Essaye de me retirer parce que tu meurs. Ok, montre, montre, on peut l'applaudir, bravo. Mademoiselle Dor, tu dois choisir. Machali, le. C'est Chaim ou quoi? Tu dois choisir un garçon et vous devez danser un collet serré, tous les deux, dans un cerceau. Vas-y, choisis. Et pendant ce temps, qu'on m'amène le cerceau. Mais les gars, vous les voyez comme ça, ils avaient 17 ans, tout ça. Hein. 17 ans, tout ça. Pensez le public. Bon, d'accord. Hey, qu'est-ce que t'en as pensé, mademoiselle Verso? C'était bien. T'étais bien? Ouais. Toi, t'as kiffé? Ouais. Eh ben, c'est le principal. Très bien. Alors, maintenant, les filles, voilà comment ça va se passer. Vous allez chacune, l'une après l'autre, aller au petit coin VIP. Pendant ce temps, ces jeunes garçons vont délibérer. Eh oui, parce qu'il y en a une qui va devoir partir. D'accord? Alors, l'une après l'autre, vous allez défiler. Est-ce que c'est la liasse? Est-ce que c'est la taureau? Est-ce que c'est la verso? Hop, 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 hop. Pourquoi la liane? À moi de tailler maintenant. Attends, pourquoi? Excuse-moi, viens, reste là comme ça, ne bouge pas. Regarde, yeux dans les yeux. Écrivez là! Non, on va pas. Attendez. Je voudrais savoir. Excusez-moi, je voudrais savoir pourquoi. Mais elle a les jambes comment là? Parce que déjà vous êtes mignons toutes les quatre, mais on a tous décidé de t'éliminer parce que tu conviens pas à nos intentions. Je suis désolée, t'es très mignonne, y a rien à dire, mais. Par contre, moi, contrairement à toi, tu n'es pas du tout mignon et tu te prends comme un mec des USA, sauf que tu ne l'es pas. Alors arrête de parler, arrête de faire le beau gosse et tais-toi. Ok. Next! Okay. Ok, top chrono. Bon, mesdames, je suis là pour vous, je suis là pour vous, comme vous voulez. Je suis pas venu pour repartir pour rien. Et ferme ta gueule. Je suis pas venu pour rien, voilà. Je fais le bouffon. C'était beau, non? Attendez, je crois que j'ai mal entendu. C'est Scorpion! Vous entendez quoi? Vous avez entendu comment ils ont crié quand le chocolat il est rentré? Est-ce que tu veux de la zik ou pas? Moi je veux pas de zik. Pas de zik. S'il vous plaît, il a que 10 secondes pour se présenter. C'est vraiment le bail de logo bidet à l'ancienne, on dirait. Bah voilà, je voulais vous dire que je vous ai tous trouvés très charmantes
Et vu qu'on va rester, on va être que 5, bah, j'espère que vous me choisirez. Si vous me choisissez pas, bah, c'est pas grave. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. Sans musique, top chrono. You're beautiful, you're beautiful, little. Charmant, charmant, ouais. Ok. Et bien maintenant, messieurs, c'est l'heure du verdict. Qui doit partir? Qui doit rentrer faire ses devoirs? Le poisson. Le poisson, il est où? Oh! Pourquoi, monsieur Poisson? Face to face, yeux dans les yeux, comme ça, mettez-vous là, là, comme ça. Yeux dans les yeux, pas avec moi, avec mademoiselle. Je veux pas critiquer, mais tu ressembles à un gamin. Tu fais gamin. Mais t'as vu ta taille, mais ouais. Elle a pas vu sa taille. La taille n'a rien à voir, non, mais c'est le corps, moi, tu vois, tu ressembles à une sardine, quoi. Je suis pas venu pour autre chose, voilà, c'est tout. Okay. Non, je pars, c'est pas grave, il y aura d'autres, il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Il y en a d'autres, une de perdue, 10 de retrouver, n'est-ce pas? Donc voilà. Merci, monsieur Poisson. Au revoir. Qui doit quitter l'aventure? Qui ne doit pas? Moi, personnellement, je les trouve vraiment tous très charmants, mais il y en a un qui est pas du tout mon style, c'est le Gémeaux. Oh! Tokyo! Alors, pourquoi? Non, franchement, ils ont tous leur charme personnel, ils ont tous quelque chose dans le visage, mais bon, il faut bien en éliminer un, donc comme c'est pas mon style, voilà. Oh, monsieur Gémeaux, est-ce que t'as quelque chose à dire? Non, rien, c'est pas grave. De toute façon, t'es pas vraiment mon style, donc. Bon, c'est pas ton style, va, non plus. Non. Vous n'êtes pas compatibles tous les deux apparemment. Là. T'aimes pas son style, il aime pas ton style. Ok. Merci Monsieur Gémeaux. Au revoir. Quel est le dernier à être éliminé? Ils sont tous bien, mais c'est vrai qu'il y en a un qui est vraiment pas du tout mon style et c'est le Bélier. Oh le Bélier. Mon préféré. Pourquoi? C'est juste que c'est pas mon style, mais il est charmant aussi. Hein. D'accord, c'est pas. Attends, en fait, elle dit que ce n'est pas son style, mais il est charmant. Et toi, qu'est-ce que tu réponds? Moi, je réponds, tu me trouves charmant, mais moi, je te trouve pas charmante. Elle était charmante. Toi, tu vois rien à côté d'elle. T'es trop grande, t'es trop mec, t'es trop pas belle. Qu'est-ce que. quand on est un garçon, j'estime qu'on a une taille au-dessus d'une fille, donc. Je suis peut-être petit mais intelligent et toi t'es peut-être grande mais peut-être pas intelligente. Ok, c'est bon, merci monsieur Bélier. Allez, au revoir. Le scorpion. Monsieur Scorpion. Pourquoi lui? C'est celui qui me plaît le plus. Chocolat. Vierge, scorpion, Caroline. Alors, non seulement il y a du sexe à pile et je pense franchement des deux côtés. Donc une belle attirance pour tous les deux et je pense que vraiment en plus de ça, non seulement ils pourraient partir en voyage, mais pour plus longtemps encore. Franchement, c'est très très bien comme compatibilité. Mais les gars, est-ce que vous y croyez aussi en astrologie, tout ce qui est astrologie là? Est-ce que vous... Il y a des signes qui vont ensemble, d'autres qui vont pas ensemble, d'autres qui... Voilà. Genre, c'est tous une caractéristique genre en commun. Genre quelqu'un va être nerveux et tout, ça se voit que toi t'es un truc. Toi t'es un sagittaire, toi t'es un scorpion, toi t'es... Et vous y croyez? Monsieur Balance, nous aimerions tous savoir si tu as du kiff ou si tu n'as pas du kiff. En fait, c'est chacun à son tour. Mais tu kiffes. Tu kiffes? Oh ouais. Pour qui tu kiffes? Taureau. Mademoiselle Taureau. Ah là là là. Pourquoi Mademoiselle Taureau? Ça te plaît plus. Pourquoi? Physiquement, tout ça. Est-ce que Balance et Taureau, oui? En fait, c'est régi par la planète Vénus, donc la planète des amours, aussi bien pour la Balance que pour le Taureau, et c'est vraiment bon pour les bisous, la tendresse, les câlins, plus un petit peu d'attirance sexuelle, donc le tout fait vraiment du bonheur à deux. D'accord. Écoute, on va le savoir tout de suite. Ouais. Est-ce que Mademoiselle Taureau, est-ce que le kiff est réciproque? Ouais, c'est réciproque, ouais. Oui? Ouais. Salut. Le thermomètre, il faut exploser le thermomètre, il explose. Oui, le thermomètre, là. En gros, je crois qu'il s'embrasse ou je sais plus, faut qu'il fasse quoi.
jusqu'à ce que le thermomètre il explose. Vous voyez des trucs froids, chaud, chaud, hot, faut que ça explose. Attends. Oh là là. Touche pas. Bah tu m'étonnes que ça explose. Les cheveux noirs. Attention, hein. Là il rigole pas, là c'est une chute. Ah ouais, je l'ai plus, la fille. Doucement, là, au chocolat. Wesh. C'est très bon résultat pour la suite. D'accord. Très encourageant. Mademoiselle, est-ce que l'équipe est résultat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Y'a pas kiff. Y'a pas kiff. Celui que je kiffais est parti. Celui que tu kiffais est parti. C'est lequel? Je me souviens plus de son signe. Celui qui m'a chanté une petite chanson. D'accord, d'accord. Au revoir, monsieur Scorpion, t'as quelque chose à dire? Oh non, mais c'est fini. Monsieur Capricorne. Et pour qui kiffes-tu? Pour Verseau. Mademoiselle Verseau. Verseau Capricorne, voilà, alors compatible très, très, oui, compatible, compatible. Et je dirais que, comme tout à l'heure, ils sont pas forcément très érotiques, sensuels. Est-ce que le kiff est réciproque? Non. Non? Non. Pourquoi? Oh non, il est mignon. Excusez-moi, je voudrais juste entendre ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Mais parle! Il t'attire pas, il est pas beau, je sais pas moi, il est trop grand, t'aimes pas sa chemise, c'est quoi? T'as rien à dire, monsieur Capricorne? Non, j'ai charmant, c'est tout. D'accord. Oh non! Au revoir, monsieur Capricorne! Oh non, 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 hey, il est trop mignon. Monsieur Sagittaire, est-ce qu'il y a du kiff dans l'air? Kiff? Kiff? Un vrai kiff ou un kiff? Un vrai kiff, un kiff. Pour qui kiff? Pour bien. Mademoiselle Bière. On m'énerve, c'est bien. Pas kiff. Pourquoi? Pas kiff, pourquoi? C'est pas mon style. C'est pas ton style. T'as quelque chose à dire, monsieur Sagittaire? Non, j'ai rien de croire que tu t'es kiffé, c'est juste pour l'émission. Ah, avant de Sagittaire. Monsieur Sagittaire. Ah, est-ce qu'il y a du kiff dans l'air? Ouais, du kiff. Il y a du kiff. Ouais. Il y a du kiff. Alors là, attention, je choisis la bonne. Là, tu se mets encore. Ouais, la Verseau. Ah, moi, j'aime Verseau. Mademoiselle Verseau. Verseau cancer, en revanche. Verseau cancer, c'est un petit peu moyen, donc j'attends de voir ce que la Verseau qui est très indépendante et qui a certainement un avis très défini. D'accord. On va le savoir tout de suite. Est-ce que le kiff est réciproque? Non. Et pourquoi? C'est pas ton style. C'est pas ton style. Qu'est-ce que tu vas répondre? Moi, je préfère la chose réelle parce que. Je parlais de complice, c'était pas pour mon fils, c'était plus. Oh, il est bon, il... grave. Ah, il est honnête. Pour jouer. Oui. Ah. Allez, super, on se quitte sur cette magnifique intervention. Je vous dis à très, très, très bientôt. Merci d'avoir suivi l'éditeur dans cette spéciale dinette. Je kiffe trop. J'espère que cette série de vidéos-là sur les reacts des anciennes émissions, tout ça, vous allez kiffer parce que moi, c'est mon kiff. C'est vraiment mon kiff. Faut que je retrouve tout et que je vous montre ça. Vraiment, c'est vraiment mon kiff. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce sera positif pour que je puisse continuer. Et du coup, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.